Et salut à toutes et à tous! Et nous voici partis ensemble pour un nouvel épisode de Banjo Toy. Et je suis ravi de vous revoir, car on va continuer sur notre magnifique niveau. Et vous m'avez proposé plein d'idées à propos du problème qu'on avait rencontré avec le sous-marin, parce que je m'étais dit, mais à quoi bon ce sous-marin si derrière il nous sert à rien? Et c'est vrai qu'il y avait des petits endroits où j'ai pas pensé, où on va sûrement pouvoir aller. Mais déjà, on m'avait dit quelque chose de pas du tout bête, c'est d'essayer de reparler au cochon, parce que Mambo avait oxygéné l'eau, donc en logique peut-être qu'il l'a réchauffé, et peut-être qu'en fait c'est ce qu'il fallait pour les petits cochonous. Alors on va essayer ça tout de suite. Peut-être qu'en fait c'était juste ça. La piscine a l'air bien plus propre maintenant, merci. Et il reste toujours le problème de la température. Ah bah non, ça aura pas suffi. Il faut toujours trouver un moyen de réchauffer l'eau. Et alors ça par contre, je n'en ai toujours aucune idée. Bon bah c'est pas grave, vous me direz hein. Ah oui, le mot de passe était CPPC, je sais plus pourquoi. Ah oui, crâne, le P, je ne sais plus pourquoi. Je sais, j'ai toujours les post-it à côté de moi, histoire que si on rencontre de nouveau une énigme, on puisse la résoudre assez rapidement. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Là, pour l'instant, on va se transformer. La caverne du gros poisson, c'était... Non, c'était l'Atlantis. On va se retransformer en sous-marin, parce que oui, je sais où on pourrait aller rendre visite. Où on pourra se débloquer... On va essayer de... Non, non. Allez, sors-moi de là, voilà. Non, mais... Ah, c'est ça, c'est le problème, c'est que vous êtes obligé d'appuyer sur A ou B pour nager. Et ben voilà, vous êtes à côté. Donc forcément que vous vous faites avoir. Donc déjà, on va se retransformer en sous-marin. Et je vais vous montrer l'endroit dont je vous parlais. C'est l'endroit où, avant... Enfin, quand on avait affronté le boss, à côté, il y avait un endroit où, c'est... où on nous avait dit « Ouais, il y a trop de pression, vous pouvez pas y aller. » Ben, je pense qu'en sous-marin, c'est vrai que ce serait... C'est pas bête d'essayer. Peut-être qu'en sous-marin, on pourrait y aller. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire tout de suite. Allez, monte, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Plus vite, mon cher Banjo. Montre-nous à quel point tu es bon nageur. Maintenant, on rentre dans la tente de Wumba. Wumba. Oh, Wumba. Tu m'as manqué, Wumba. Sauter dans Mar... Oui, non, mais... Non, mais... Merde. Ah, c'est chiant, c'est A, c'est B et tous ces machins. Quand vous êtes dans l'eau, vous êtes obligé de les faire pour avancer. Et ça actionne, on va dire, tous les dialogues avec les personnages. C'est pas pratique. Bon, au moins on a un sous-marin. Oh oui, en plus on a un joli sous-marin. Demi-tour, toute. Avance, plus vite, plus vite. Voilà. Wow. En plus on a trop la classe. On a des super yeux. Un sous-marin avec des yeux, si ça c'est pas cool. Ah c'est, voilà, c'est A pour accélérer. Il faut juste que je trouve la sortie, ça serait pas mal. J'ai trop de lumière, j'y vois rien. Limite j'aurais fermé les volets, je vais faire le vampire, vous allez voir, ce sera plus pratique. Au moins j'y verrai quelque chose parce qu'avec les reflets du soleil c'est pas très pratique. Ah, donc là on est de retour ici. Maintenant ce qu'il nous faudrait c'est le plot de téléportation qui devrait je pense nous emmener directement où il nous faut. En fait l'intérêt peut-être d'aller en Banjo et Kazooie c'est que justement on débloque tous ces plots et qu'après on peut se déplacer. Et vers Lockers, donc c'était là-bas de souvenir où on avait eu le boss. Et si l'hypothèse que vous avez faite est bonne, nous devrions trouver une pièce de puzzle. Voilà, donc c'était où? J'y retrouve maintenant. Ici, maniabilité. C'était ici peut-être, non? Ah oui, il y en a un autre d'entre vous qui m'avait dit d'essayer d'entrer dans la bouche du poisson. Mais en regardant bien, normalement c'est pas possible. J'ai re-regardé la vidéo et ça aurait été un petit peu plus clair si on aurait pu. Donc là, c'est là où il y avait trop de pression et c'est bien ça. Donc vous aviez raison, bravo à vous. Et merci de m'avoir indiqué. Vous avez mis le temps, hein. Essayez donc mon petit jeu de tir. Marquez 60 points et je vous donnerai un lot. Vous voulez que je vous donne les instructions? Non. Je pense que c'est les bleus, tant de points, les rouges, tant de points, et peut-être les verts, tant de points, un truc du genre. Partez! Bon, vous m'en voulez pas, on va pas trop bouger. Voilà. Un point. Je sais pas combien de points en fait c'est, c'est assez bête. Et. Voilà. Oui, allez, encore un point. Donc, oui, les rouges c'est un point, les verts. Je sais pas combien de points c'est 2 points. Je crois qu'il y a les missiles un petit peu guidés, non? Ah oui, c'est génial! J'ai pas remarqué, mais c'est à moitié guidé, on va dire. Voilà! Ouais, bon, c'est pas non plus guidé au pont où ça fait tout à notre place. Hein. Mais je sais pas en fait si c'est le Easter Eggs, enfin
le bonus qu'on a eu qui nous a permis d'avoir ça. Ça aide quand même pas mal, hein. En fait, faudrait plus que je martyrise la touche. Je pense que ça aiderait. Oh allez, 40. Ouais, non, on les aura pas. Mais j'ai pas assez osé tirer dans tous les sens. Et j'aurais dit. Quel dommage, ce score ridicule de 55 points ne vous permet pas de remporter mon prix. Souhaitez-vous rejouer? Oui, je veux rejouer, ma vieille graine Tilda. Donc les bleus, c'est les 3 points, les verts, c'est les 2, et les rouges, c'est les 1 point. Ok, prêt, 3, 2, 1, go. Allez, allez, vas-y, balance, balance. Moi, je suis pas quelqu'un de patient sur les jeux. Quand je vous dis qu'il faut y aller n'importe... Quand faut y aller YOLO, faut y aller YOLO. Cherchez pas, y a pas de logique. Je préfère tellement y aller comme ça, c'est tellement plus fun. Et au moins, ça vous montre... Il y a plus de choses à regarder, quoi. C'est plus marrant. Bon, ça bouge un petit peu dans tous les sens, vous me direz. Je sais pas, par contre, si c'est pour autant que je vais mieux m'en sortir, hein. Je sais, peut-être que oui. Ouais, non, mais... En fait, je crois que le chip que j'ai activé, justement, qui me permet de viser un petit peu mieux, est vraiment utile. Parce que là, dans ce genre de cas, vu que je pense que c'est considéré comme des ennemis, la visée doit être un petit peu aidée. Ou peut-être qu'en fait, c'est le sous-marin qui le permet, hein. Ça, j'en sais rien du tout. Donc ouais, c'est bon, là, on a déjà les points nécessaires. Allez, 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 ménage, 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 on dégage des mines. Merci d'être passé. À la revoyure. Yeah, boum, 74 points. Raton. Vous avez juste assez de points pour gagner la récompense. Juste assez, j'en ai 74. Alors s'il te plaît, un peu de respect. Donc ça nous fera une 7ème pièce de puzzle. Et oui, on a quand même réussi à avancer. Ça va être notre 7ème pièce de puzzle dans ce monde. Allez, on la cherche, on l'a bien mérité. Allez, viens ici, petite pièce de puzzle. Et bim. Et vous, rejouez. Non, 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 non. Fais-moi sortir d'ici, merci. Donc on s'en est bien sorti, c'est bien. Un bon début d'épisode, ça fait toujours plaisir. Par contre, alors, je n'ai aucune autre idée d'où on pourrait aller, hein. On va juste... Ah non, je voulais tester le coup si c'était le cheat qui nous permettait de faire la visée automatique, mais comment je peux tester si je l'ai automatiquement, donc... Oui, non. Ok. Attendez, on va tester... J'ai envie de tester déjà sur l'autre, là-bas. Aïe. Pourquoi je me suis pris le truc? Ok, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Aïe, mais stop! Attendez, toi. Voilà. Comme ça, je prends un petit peu de vie. Je veux de la vie. Il y a de l'amour, il y a de la vie. Non, doucement. Voilà. Okay. Par contre, il n'y a pas un deuxième endroit où on peut aller? Si, si, il y a... Ah, si, peut-être, il y a... En fait, il y a peut-être deux trucs, non? Non, même pas, il n'y en avait qu'un. Il n'y aurait pas un autre endroit pour aller? J'ai l'impression que c'est tout ici, hein, si je me trompe pas. Juste là-bas, mais je crois on y avait déjà été de souvenir. Et je crois pas qu'il y a spécialement besoin du sous-marin. Ouais, juste y jeter un coup d'œil et si on voit les tentacules, on fait machine arrière. Ouais, je crois vraiment que les tentacules en fait ont été faits pour nous bloquer avec le sous-marin pour pas qu'on puisse se déplacer sans la plateforme assez chelou. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner à Atlantis, on va se retransformer. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici encore? Alors ça, c'est une bonne question. Et si j'ai pas d'idée, à ce moment-là, on verra pour partir et explorer un autre monde. On a déjà passé pas mal d'épisodes dans ce monde-là, donc ça nous fera un petit peu de bien de découvrir un nouveau monde. Allez, plus vite! Oh là là. Je me demande à quoi ça sert, la sonde. Tuer les ennemis, ou est-ce que ça a peut-être une utilité pour un autre endroit à faire avec le sous-marin? Où j'ai pas encore testé. Oh, je fais n'importe quoi. Allez, on va réussir à nager. Oui. Oh non. Alors déjà rentrer dans la Tantawumba avec le sous-marin, c'est pas chose facile. Voilà. Je sais pas en fait comment on fait pour rentrer, mais on va dire que c'est fait exprès. Ya po. Un Wigman de Wumba. Je vois juste un petit coup. Ah, fait du bien. Et oui, c'est toujours très important de boire, surtout en été, même si c'est loin de faire une chaleur vraiment grandiose, mais en tout cas, c'est bon pour la santé et c'est bon pour le moral. Donc là, on doit partir dans la direction de là. Ah, là, c'est juste des œufs. Il n'y a rien d'autre d'intéressant. Au hasard que j'aurais pu louper. Non. Ouais, bon, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une entrée, qu'une sortie. Ouh.
qu'est-ce que ça fait? Ah, si vous l'avez remarqué, ça fait depuis très longtemps qu'on n'a pas eu de bug. Parce qu'au tout départ, on avait parfois des moments où l'épisode, tchlaf, ça coupait comme ça, sans crier gare. Et là, non, j'ai pas l'impression que ça a voulu nous faire un coup assez foireux. J'aimerais juste retourner à l'endroit où on pouvait se séparer. Je savais pas ce qu'il fallait faire. On va essayer de regarder et peut-être qu'on trouvera une idée. Ah oui, il y a aussi le sanctuaire aux algues. J'ai toujours pas capté l'intérêt de pouvoir tuer des algues. À part faire un attentat contre les algues qui ont rien demandé, les pauvres. Barre-toi. Je veux pas d'anguilles, j'aime pas les anguilles. Voilà. Gentil, anguille. Tu me fais pas de mal et je ne te ferai pas de mal. Ça fonctionne comme ça avec Banjo et Kazooie. Je sais même pas en fait si on peut les tuer. Ah, ce serait marrant, hein. Allez, ça doit être là-bas. Ouais. Je sens. Ouais, ça sent. J'en suis sûr, c'est par ici. Parce que si on peut séparer Banjo et Kazooie, il y a forcément un truc à faire. Alors, c'est ce qu'on va tester tout de suite. Et là, il y avait a pirate. Oh non, je me suis loupé. Tiens, t'inquiète pas, je te louperai qu'une fois. En tout cas, ah oui, il y avait la page de Chito. Il y a bien... Une page de Chito, comment on peut faire pour l'avoir? C'est la bonne question. En tout cas, il y a toujours la plateforme ici. Là, il y a toujours un truc pour récupérer de la vie. Il y a bien un truc à faire. On peut pas se séparer Banjo et Kazooie juste comme ça, juste pour le fun, quoi. Oui, ouais, bon, toi, t'es méchant, on a compris. Tu me suis encore là jusqu'à maintenant? Non, c'est bon. Ah, mais peut-être... Maintenant qu'on a la technique avec Kazooie, on peut faire quelque... Mais non, la technique avec Kazooie, c'est juste une attaque. Wada! Par contre, elle est vraiment classe. Ah, j'aime bien l'attaque, là, comme ça, avec les ailes tournoyantes. C'est vraiment génial, je trouve. Oh. Non. Ça sert pas à grand-chose, j'ai l'impression, cette technique. Mais... Non. Je veux la page de Chito. Y'a pas moyen que je l'ai? Ils veulent pas me la donner? Non. Non plus. Ah, bah voilà! Suffit d'en parler pour sa merde. Bon allez, petite ellipse. Re tout le monde. Et on se retrouve dans le bar du monsieur ci-dessus. Alors j'ai un petit peu regardé, je vais pas vous mentir, j'ai un petit peu cherché de mon côté. J'ai un peu fouillé tout ce qu'on pouvait avoir dans ce monde, histoire de voir si j'avais pas d'autres idées. Et on va dire ce qui m'était venu en tête, j'étais refaire un tour du côté où on avait appris la technique avec Kazooie, mais je sais pas comment accéder de l'autre côté. C'est là maintenant on a le pirate ici, et je pense qu'il y a un truc à faire avec lui. Un ours m'a pris la vedette, il te ressemblait. Et j'ai envie de lui parler pour voir si ça va nous faire quelque chose. Alors j'en ai aucune idée, je lui ai déjà parlé, et là il m'avait dit que si je lui reparlais il me ferait un truc. Alors justement j'ai envie de voir à vos côtés. Viens, je vais te... Oh, mon pauvre estomac, attrape ces doublons et ramène-moi un verre d'eau. Oh my god. Vous vous imaginez, je lui ai parlé comme ça, je lui ai vraiment parlé comme ça en venant. Et j'ai essayé et à chaque fois il me disait un truc différent. Et là maintenant, c'est limite comme si ça me débloquait un truc, je sais pas d'où, pourquoi, ni comment, mais bon. Allez, balance de l'eau. Merci encore. Et toi, tu fais quelque chose, ma chérie? Ah, il y a même le prix. Semaine, ok. Moi, je veux de l'eau. Merci encore, et souvenez-vous que tous les mercredis, il y a une soirée go-go Marinly. Je crois qu'on va passer une autre tour. Elle est très appréciée. Vous pouvez avoir 5 chopes de gros du loup de mer pour un seul doublon. Il a pas dit qu'il voulait de l'eau, l'autre? Ouais, bah si, mais je fais comment pour avoir de l'eau? En plus, c'est vrai qu'il nous reste des doublons, alors en logique, c'est quand même que ça doit servir à quelque chose, quoi. Un ours m'a pris la vedette, oui, merci, il te ressemblait beaucoup, bah oui, parce que c'est moi, boulet, va. J'étais dans ce jeu. Alors, j'ai fait un rêve une fois. J'étais dans ce jeu, oui, mais non, mais je veux... Un ours m'a pris la vedette... Non. On m'a dit qu'il fallait de l'eau, non, c'est ça? J'étais dans ce jeu, mais... J'étais dans... Ouais, bon, merci de me raconter 10 000, voire 100 000 fois la même chose. Si j'ai compris, il faut qu'on lui ramène de l'eau, non? What? Je suis coincé? Ah non, je suis rassuré. Il faut de l'eau. Alors, elle est gentille, s'il veut de l'eau, je fais comment? Enfin, tout le monde dirait, il y a le lac qui, je pense, contient assez d'eau comme ça.
Attendez, y a rien d'autre par ici? Non, il y a des plumes. Si j'essaie d'escalader ce machin, y a rien d'autre non plus. Ah. Non. Ok, au moins j'aurai ton thé. Mais y a rien d'autre. Non, pas ici. De l'autre côté, bon, c'est là où on avait fait l'énorme trou. Mais il a dit qu'il lui fallait de l'eau. Non? En plus, ça fait un bruit du genre ding, comme si ça avait débloqué une sorte de quête. Bon, du joyeux Roger. Bah oui, bah merci, mais... Si, mais non, merci. Attends, on va essayer de repasser par là, donc peut-être que... il va se passer quelque chose de bien, j'aimerais. C'est possible? C'est joyeux Roger. Allez, go! On va vers les tréfonds. Et au pire, si je trouve pas, c'est pas grave. On va pas s'acharner ici et on ira autre part. Oui, une pièce de puzzle là-bas. Oh my god! Attendez, je peux pas venir ici par hasard en sous-marin? En fait, je me dis, y'a que le sous-marin, peut-être j'ai moyen de faire une sorte de saut. Y'a pas une plateforme pour venir ici? Là, c'est quoi? Ah, mais si, j'étais déjà venu ici. Oui, 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 oui. Y'avait eu la sorte de connexion ici. Y'a pas moyen d'y venir d'une autre manière? Et là, saut de la mort! Pas saut de la mort, non. Quelque chose me dit qu'en sous-marin, avant tout à l'heure, j'avais fait une sorte de saut. Peut-être que si je viens ici en sous-marin, on aurait moyen d'avoir la pièce. Alors, ceci n'est qu'une hypothèse. Hein. Faudrait pour ça que je revienne presque tout en arrière. Est-ce que ce serait possible? J'ai quand même des doutes. Hein. Je suis pas très convaincu par ce que je viens de vous dire. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va quitter ce monde. On va aller dans la ruche de Maya l'abeille. On va essayer d'avoir un nouveau point d'énergie. Parce que oui, il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent « Ah, maintenant, tu peux avoir un nouveau point d'énergie, tu peux avoir un nouveau point d'énergie !» Enfin, je sais pas si on a assez d'alvéoles. En tout cas, on va essayer. Oh, bah, je suis sorti. Y a rien d'autre ici, par hasard? Non. Y aurait pas un trou, par hasard, dans ce lac? Un petit trou qui voudrait nous dire « Viens par ici, t'as loupé des choses !» Et même, comment on est censé réchauffer l'eau, quoi? Mambo, il nous a... Mambo... Bon, il nous a servi qu'une seule fois. On pourrait pas nous réchauffer l'eau? Attendez. Parce que Mambo a des pouvoirs magiques, donc à part lui, il a été fichu de ramener le soleil. Alors pourquoi il serait pas fichu? Il n'y a pas de plateforme, on est tout à fait d'accord. Mais j'ai envie de tester. Hein. Si ça marche pas, c'est pas grave, on aura testé. Et après, on ira visiter un autre endroit. On ira pas attendre plus longtemps. Train de Mambo. Mambo, Mambo, Mambo. Mambo, Mambo, Mambo. Allez, Mambo, je veux te jouer. Oui, toi. Toi. Alors, vous encore avoir besoin d'aide de Mambo? Oui, j'ai besoin de ton aide, Mambo. Ah, là, c'est vrai qu'il est pas... La seule fois où il a été utile, c'était pour oxygéner l'eau. Vous me direz, c'est pratique, sinon on était sûr de mourir, vu le temps qu'on est resté sous l'eau. Oh, faire de l'apnée autant de temps qu'on le désirerait, ça, ce serait pas mal. Pourquoi on peut pas respirer sous l'eau? Qu'est-ce que la vie est triste. Bon, allez. On va tout de suite aller direction... J'aimerais bien pouvoir réchauffer l'eau. Attendez, est-ce que je peux me téléporter par hasard aux autres endroits? Ah non, je peux pas. Je me disais, pourquoi pas, hein. S'ils ont envie de voir couler Mambo... Ils ont pensé à tout dans ce jeu, c'est quand même assez bien, hein. Par hasard. Allez, vas-y, dis-moi que t'as envie qu'on réchauffe l'eau. Je ne parlerai qu'à Banjo-Kazooie. Oui. Ah, je réchauffe l'eau avec mon bâton magique. Ne fais rien du tout. Bon, c'est vrai que s'il n'y a pas la plateforme d'un côté, je vois pas vraiment ce qu'on peut faire, mais au moins j'aurais testé. Oh, et en plus, il pleure la petite coche à nous. Le pire, c'est que j'en suis sûr, c'est sous mes yeux et j'ai pas l'idée pour faire ce qu'il faut. Yaaah! Ok, c'était, comment dire, pitoyable. Je me suis foiré sur mon saut, j'assume. Ce n'est pas pour autant que je mourrai. Pas un truc à faire aussi avec ces pylônes, on peut pas les casser. Enfin, j'en suis à un point où j'essaye un petit peu tout ce qui peut me venir en tête. Par contre, dans ce monde, on n'a pas eu les nouveaux pouvoirs pour le monde précédent avec les bottes qui permettraient de monter sur les murs ou ce genre de choses. Preuve que va falloir encore avancer et débloquer des techniques et revenir ensuite en arrière pour peut-être avoir une chance d'avoir les dernières pièces de puzzle de certains mondes. Bon allez, Banjo, je te laisse la relève, mon poteau. Au moins que tu seras quelque chose. Si, donc on va passer là et on va bien voir ce qui se cache. J'aimerais déjà tester là de casser les pylônes, voir si ça fait quelque chose, même si je me rappelle qu'il y avait les pièces dessus, mais je crois que c'est la seule utilité. Et de toute manière, il me reste encore des... Comment ça s'appelle?
des doublons. Donc si j'ai encore de l'argent quelque part, c'est bien que ça doit me servir. Et l'autre, il veut de l'eau. Bon, attendez, on va... Je veux aller dans le bar. Parce que logiquement, s'il veut de l'eau, c'est bien dans le bar qu'on peut avoir de l'eau. Peut-être qu'il y a un truc qui est tout bête auquel j'ai pas pensé que ça pourrait nous redébloquer autre chose. Allez, là. Non, ça c'est de la bière. Ouais, vous me direz que le décor, j'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand-chose, hein. Non. Otto, t'as pas de l'eau. Là, l'autre monsieur, il veut de l'eau. Merci encore. Merci encore. Merci encore. Oh là là. Il sait pas dire autre chose. Un jukebox. Non, non plus. Si, maintenant, je te reparle alors que je suis sorti. Dis-moi autre chose. Non, oui, j'étais dans ce jeu, merci. La 10 000ème fois que tu me dis. En plus, on voit les doublons en bas à droite. J'étais dans ce jeu. Oui, bien, je suis fier de toi. Un ours m'a pris, mais... Me dire un truc intéressant par hasard, ça te dirait pas? Oh, j'ai fait un rêve une fois. Oui, j'étais dans ce jeu. Bon, c'est bon, il me saoule. Il n'est pas fichu de me dire quelque chose d'intéressant. En plus, on voit les doublons, forcément qu'il y a besoin de les utiliser ici. Mais où? Où ça, faut les utiliser? Dites-moi où! Là, t'es joli. Ah, mais non. Boum, non. Boum, non plus. Ah, peut-être qu'en fait... Attendez, si je lui tire dessus. Non. Non. Non plus. Et dans son verre d'eau. Peut-être que je vais geler sa bière et que là, il sera pas content. Non, ça ne servait à rien du tout. Bon, ce niveau, il commence à me les casser. Grave. Oui, en plus, l'autre, il va faire sa danse du boogie-woogie. On est content pour toi, mon pote. Bon, moi, je vous propose, on va découvrir ensemble un nouveau monde. Hein. Après tout, ce monde, on aura vu assez, on y aura été assez de temps. Si vous avez d'autres idées, hein, pour vu que j'ai pas tout réussi et que j'avais pas spécialement d'idée de comment faire. Par contre, un truc qu'on va faire, avant de découvrir un nouveau monde, on va retourner dans le cirque. Et on va essayer de se débrouiller, parce que maintenant, je crois que vous m'aviez proposé plein de solutions pour avoir la pièce, le coup de faire sonner la cloche, fallait faire, enfin, il y avait une combine à faire, clairière, plateau, pinhead, voilà, c'était la pinhead de Wumba. Bon, par contre, Wumba, le problème, c'est que lui, il lui faut toujours le méga globo qu'on n'a pas trouvé. Ah, ici, il y a un autre truc, ici. Attendez, regardez. Est-ce que j'ai bon souvenir, par hasard, il n'y avait pas un truc où il fallait juste 4 œils? Si, 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 si. Oui. Oh, il y a des pièces de puzzle. Je n'avais même pas remarqué. Oh my god. Ah bah voilà. Bon, moi, on aura ramassé des pièces de puzzle. On aura déjà fait quelque chose. Allez, 4 œils. Yo. Non. Allez là. Tu peux le faire. Boum. Yes. Donc, on a bien débloqué un nouvel endroit. Ah, et peut-être que la suite se trouvera là. Ah, ce serait pas bête du tout. Allez, bon, on y va. De toute manière, si je dois retourner en arrière, c'est pas grave, on retournera en même temps dans le monde. Mais j'ai envie de découvrir, peut-être que c'est juste un bonus. Petit bonus, dans un autre tunnel Tiger. Oh non, dis-moi pas qu'il y a l'autre abruti. Oh non, on va pas le réaffronter encore une fois. Il a pas eu sa dose la dernière fois. Ouh, en plus là, il a l'air méchant avec des yeux. Klongo, larbin revanchard. Non, pas encore toi. Ah bah voilà. Ah, 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 maîtresse d'Irklongo, arrêtez-vous, vous m'êtes encore puni. Nous te punirons, nous aussi. Non, Klongo, avoir une nouvelle potion cette fois. Ok, cette fois-ci, tu peux quoi? Te rendre invisible? Bon, je sais pas, faire grossir. Allez, vas-y, fais-moi rêver. Yar, pas trouvé Klongo, malin maintenant. Oh là là, il est invisible! Qu'est-ce que j'ai peur? Bon, t'es où, Coco? Non, mais ça sert à rien de te cacher. Yaaah! Bon, il peut arrêter de faire le malin. Ah, non, 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 Klongo. Gentil Klongo. Yabam! Aïe, non, esquive. Y'a que les potions qui font mal, donc. En fait, on a juste à tourner de lui, dès qu'il a fini, on fonce sur lui, c'est aussi simple que ça. Yaaah! Ah non, moi, je me suis loupé. Tourne plus vite. Il est où? Où Klongo? Klongo, ah là-bas. Non? Je sais même plus où il est. Ah si, il est là-bas, je l'ai vu. Je l'ai vu. Ah bah, c'est un peu trop tard pour l'avoir vu. On tourne autour de lui, on tourne autour de lui. Et dès qu'il a fini. Non? Oh! Pomme! Pom, pom, pom.
Non. Jamais y arriver, hein. Attendez. J'ai l'impression qu'il tourne autour de nous. Voilà, bim. Oh, esquive, esquive. En fait, là, je vais attendre et dès qu'il a fini... Aïe. Ok, j'aurais pas dû attendre autant de temps. Non mais, oh oui, j'ai quand même réussi à l'avoir avec un œuf. Yeah. Ah, Clango, moins faire son fier maintenant, hein. Adieu, Clango. Oh, Clango, pas content. Pour ces oiseaux encore battre, pauvre Clango. Ça ne doit pas être bon pour ta santé, Clango. Pourquoi ne pas prendre ta retraite? Non, maîtresse avoir besoin, Clango. Clango vouloir être encore puni. Puis travailler sur nouvelle potion. Ok, bon, moi je récupère de la vie, tu m'en voudras pas, mon petit Clango. Par contre, c'est où qu'il faut aller? Là-bas? Oui, là-bas, ça a l'air intéressant. Ah, mais là-bas, c'est... Ah, on est arrivé par l'eau, donc non, non, non. C'est pas là-bas qu'il faut aller, c'est de l'autre côté. Ça voudrait dire qu'on devrait découvrir peut-être une nouvelle zone. Qui dit nouvelle zone dit nouvelle technique, dit nouvelle je ne sais quoi, mais en tout cas dit nouveau truc. Cours. Allez. Île aux sorcières, terres arides. Enfin, terre aride plutôt. Waouh. Watatatata, les nouvelles techniques. Une nouvelle technique déjà ici. Attendez, on va prendre la sauvegarde ici. Ah, regardez. Là, vous voyez le niveau. Là. C'est une tête de dinosaure. Et bah je pense que c'est ici qu'on va devoir ramener l'autre petit dinosaure. Ouais, 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 je pense... Ouh, Toto, l'esquive. Vas-y, balance la technique. Allez, une nouvelle technique. 4 œufs mécaniques. Voici l'œuf ultime et télécommandé. Les ennemis seront tous cassés. Et encore un nouveau type d'œuf. Ah, parce qu'il n'y en avait pas assez. Alors, et voilà. Et ramper. Ouh, des œufs télécommandés, ça donne quoi? On teste? Allez, on teste, on a que ça à faire. Yaaaaa! Oh! Sers-toi du stick directionnel pour déplacer la bombe et fais-la exploser en appuyant sur B. C'est génial! Ah, d'accord, télécommandé dans ce sens-là. Oh, mais c'est génial ce machin! Ah, j'aime bien. Par contre, je sais pas où faut aller. Attention! Boum! On s'explose tout seul au contact d'un ennemi, ça me paraît logique. Bon, bah la nouvelle zone, en tout cas, je pense qu'on l'a trouvée. Ah, y'a pas des petits trucs à prendre par hasard? Nouvelle note de musique. Ouh, encore. Je sais, je fouille, mais y'a plein de choses, y'a plein de choses. Oh, y'a même un niveau ici. What? C'est quoi ici, là? La queue pour l'ascenseur en forme de bulle commence ici. Déjà, il y a encore deux mondes à faire. Waouh! Ah ouais! Il y a encore de quoi faire, si vous voulez mon avis. On a de quoi s'amuser pour de bonnes heures devant nous. Surtout que déjà, vu le temps que je passe pour faire des niveaux, c'est quand même assez long. Oh, tu as de belles dents, tu sais. J'aime bien avoir de belles dents. Ah, et là, okay, le machin, je sais pas comment il a fait pour escalader, mais bon. Ah, et là, il y a le pouvoir pour sauter. Ah, et là, on pourrait sauter, je pense. D'accord. En tout cas, on a toujours pas ses pouvoirs, alors on risque pas d'aller loin pour l'instant. Là-bas aussi, il y a un truc. Ah ah, vous croyez que j'allais pas le voir, hein? Là-bas, il y a moyen de monter. Ouh, il y a des notes de musique. Ah bah parfait. Je prends, donnez-moi. Ouh, il y a un Jinjo. Jinjo ici. Pourquoi je sens que les deux vont me foncer dessus? Ok, et lui. Oh yes! Donc, un nouveau Jinjo violet. Bon, toi, tu m'énerves. Yeah, boum! Allez, viens de fight. Boum! Donc ça nous fait au moins un nouveau Jinjo, pourquoi pas. Il y en avait deux et il y avait un piège. Enfin, c'était un petit peu prévisible, vous me direz. Donc, on va retourner. On va retourner Pinhead pour aller chercher la pièce qui nous manquait avec la combo. Je crois qu'il fallait. En plus, il y a des œufs à utiliser, de souvenir. On va retester. De toute manière, c'est une combo avec trois trucs à faire, si je me souviens bien. On va tester. Allez, plus vite. On veut une pièce. Une nouvelle pièce de puzzle, ça ce serait cool avant la fin de l'épisode. Parce que même si on a bien commencé l'épisode avec une pièce, c'est la seule qu'on a eue. C'est un petit peu dommage. Oh, c'est toujours fermé, mais quel dommage. C'était où par contre, là, faut que je me souvienne. Non, c'était pas là-bas. C'était là-bas, oui, c'était là-bas. Donc là, on va s'amuser.
Oh, comme l'esquive que je vous ai faite. Là, on va pouvoir tester. Donc, cette fois-ci, on va tester plein de choses. Donc déjà, on va tester ça. Ok. Maintenant, on va retester ça. Boum. Bah, c'est bien ça. Et maintenant, un truc avec un œuf par hasard? Non. Non. Boum. Donc, merci à vous pour m'avoir un petit peu bien conseillé pour cette fois. Je me serais jamais douté qu'il fallait faire une sorte de combo, je ne sais pas quoi, de la mort qui tue, juste pour réussir à avoir une pièce de puzzle. Donc, 37e pièce de puzzle. Ça va, on avance, on avance, on avance. Chaque chose en son temps. Et ça fait qu'on a combien de pièces de puzzle dans ce monde? Or, Toto, 8 pièces sur 10. Ok, et deux autres qu'on peut pas avoir parce qu'il nous faudrait le pouvoir des bottes. Bon, c'est déjà bien. Au moins, on a enfin réussi à avoir cette pièce parce que celle-ci, elle nous aura tellement embêtés au long de l'aventure. Allez, viens là. Regardez. Boum. Ah, moi, je voulais esquiver et faire mon fier, mais au final, je me serais fait avoir. Parce que parfois, faire son malin, ça n'a rien de bon. Ah oui, je dois ramener l'autre... le bébé, enfin l'enfant de Madame Glours, Madame Ours. Parce que Madame Ours, elle est triste, elle peut plus retrouver ses enfants. Hein. Oh, pauvre Madame Ours. On va se faire un petit nouveau puzzle, histoire de débloquer un nouveau monde. En même temps, vous m'en voulez pas, je vais boire un petit coup. Voilà, ça fait du bien. Ah, un peu de ressources. Un peu de ressourçage. Je sais pas si ça existe le mot, mais en tout cas, vous aurez compris ce que je voulais dire. Donc, 20 pièces pour le nouveau monde où on doit aller. Ça va, ils sont quand même assez larges niveau pièces. Il n'y a pas non plus besoin d'en avoir une tonne. J'en ai presque la x2. Donc, ouais, c'est plutôt large. Un nouveau puzzle. Un nouveau puzzle. Et on a combien de temps? Toujours 100 secondes, c'est à peu près ça, non? Ouais, c'est ça. Pièce. Là. Non, au-dessus de toi, boulet, va. Là. Non. Là. Non. Ah, mais non, mais... Qu'est-ce que je suis bête. Il n'y aurait pas des pièces plus simples? Voilà, toi. Toi, t'es hyper simple. Toi, t'es hyper simple aussi. Voilà, toi aussi. Les bords. En fait, quand on fait un puzzle, faut commencer par les coins. Et pourquoi j'ai pas fait ça? Je suis bête. Non, alors c'est elle. Boum. En bas. Les œufs, il faut. Oui, ici. Non. Peut-être là? Ok. Là, les dinos, c'était par ici. Pour cette pièce, il n'y a qu'un endroit où on peut la mettre. Cette pièce, pareil. Cette pièce, il y a deux possibilités. Oh oui, j'ai trouvé, c'est bien elle. Une pièce ici. Encore une autre. Voilà, vous voyez, c'est bien, ça va être le monde avec des dinosaures. C'est exactement le même dino qu'on avait eu dans le premier monde. Vous avez réussi le challenge 5 de Jiggy Wiggy. Notre seigneur va vous montrer le chemin. Oh, merci, mon seigneur. Montrez-moi le chemin vers la paix. Attention, Jiggy Wiggy entre en action. Attention, admirez, waouh. Observez la toute puissance de Jiggy Wiggy. Jiggy Wiggy, tu es notre dieu à tous. En tout cas dans Banjo Toy. Hein. Îlot sorcière, terre aride. Donc c'est bien le monde que je pensais. Ah ouais, donc au final, on a bien fait de revenir par là-bas, sinon on n'aurait pas su où était la suite. Ah oui, vous voyez là-bas au fond, à droite, quand je vous ai dit qu'il fallait les bottes sauteuses, bah, c'est pour ça, justement. Merci Jiggy Wiggy, je ne te remercierai jamais assez pour tes prouesses. Vous êtes vraiment les élus, vous avez aussi assez de pièces pour ouais, le prochain test. Ok, bon. On a compris, mais d'abord, comme toute aventure qui se doit d'être, nous allons explorer la suite avant d'entamer et d'ouvrir les nouveaux passages. Et balance! Allez, balance! Là, c'est terre aride. Oh, en plus, c'est vrai qu'on a directement le téléporteur pour nous rendre à côté. Si c'est pas la classe. Ah ouais, si c'est pas la classe, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est la classe. Et allez, on découvre ensemble. Allez, go, go, go. On va voir tout de suite ce qui se cache dans ce nouveau monde. Quoi, ça va s'appeler comment? Dino Land, un truc du genre, non? Oh, Dino Land, ce serait joli comme nom. Waouh. Pteridactyland. Ok, pourquoi pas. J'aurais préféré Dino Land, c'était plus classe. Mais on m'écoute pas dans ce jeu. On m'écoute jamais. Non, non, pars. Je t'ai dit de partir. Tu m'as pas écouté. Voilà, bah, tu me cherches, hein. Allez, allez, bim, bim, voilà.
Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a... Ah, on a aussi le Hunga. Ah, mais peut-être que... Ça fait quoi si je fais là? Non, ça fait rien. Vous êtes sérieux? Non, mais... Peut-être un autre? Toi. Voilà, il fallait juste un peu de puissance. Ah, il y a un nouveau Jinjo, un Jinjo marron. D'accord. Faudrait qu'on pense à aller le chercher. Ah, mais peut-être qu'on va avoir une transformation qui nous permet de voler. Mais regardez-moi la hauteur du niveau. Mais c'est énorme. Enfin, c'est gigantesque le monde. Allez, on va découvrir vite fait un petit peu le monde, vu que jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment réussi à avancer. Et oui, parfois, malheureusement, il y a des moments où on se retrouve un petit peu plus bloqué que d'habitude. Voilà. Là, il y a un Jinjo bleu. Oh, regardez, là-bas, il y a un œuf. Et qui dit œuf dit qu'on va pouvoir le faire éclore avec la technique de Kazoï. Ah, mais par contre, faut les séparer. Ah ouais, mais alors ça, par contre, les séparer, je peux pas le faire comme ça. Là-bas, il y a une liane pour monter. Mais on va pas trop monter, d'abord. Oh, en dessous, Kazoï. On peut prendre Kazoï. Là, il y a un truc. J'ai envie de voir ce que c'est. Attention. Oh, boum. Ah, c'est un interrupteur pour actionner ça. D'accord. C'est génial. On commence à peine l'aventure et on a déjà un Jinjo bleu. Oh, il y a une alvéole. Je viens de la voir. Yes, 4 sur 7, Jinjo bleu. Ah, on gère. Ça gère sa mère. Là, je peux m'accrocher? Oh non, faites pas genre que c'est... Ok, c'est pile pas la hauteur qu'il nous faut. Et là, c'est pareil. Ah si, je peux là. Attendez alors. Non, je me suis loupé sur mon saut, mais ça me paraît quand même trop loin. Ça me paraît trop loin. Je veux quand même essayer. Qui ne tente rien, n'a rien. Et j'ai rien. J'ai tenté, mais j'ai rien eu. Mais c'est pas grave. Là-bas, qu'est-ce qu'on a là-bas? En tout cas, il y a plein de dinos. Quelque chose me dit qu'on va devoir trouver la gare. Oh, on a déjà trouvé Mambo. On a déjà trouvé le pouvoir pour Mambo. On a des chaussures de rapidité. On a les chaussures aussi pour marcher dans les marécages. C'est mal? Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Si je reste ici, je sens que je vais avoir Bobo. Non, non, stop, 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 stop. J'ai compris, ça fait mal, il faut pas trop rester aventuré là-dedans. Ah, là-dedans, là aussi, il y a un truc pour Mambo. Ok. Là-bas, qu'est-ce qu'on a? Oui, je me rappelle. Regardez la transformation. Vous voyez là le petit dinosaure qu'on a ici? Ça va être la nouvelle transformation qu'on va avoir. De souvenir, hein. En plus, le dino, il a juste un peine, hein, c'est cadeau bleu sur le dos. Alors, si c'est pas ça... Je me mets les doigts dans le nez. Voilà, je sais, je suis dégueu, mais c'est pas grave, j'assume. Qu'est-ce qu'on a ici? Chose intéressante, il y a un rocher. Ah, qui dit rocher dit qu'on peut l'exploser avec la technique de Kazoï perceuse, là. Allez, oh yes, 20 notes de musique en plus, si je me trompe pas. Je crois que c'est 20. On a la clé de sol ou la clé de machin bidule comme ça. Je suis pas bon en musique, faut pas me demander. Là, c'est quoi? Un autre... Non, mais il y a beaucoup d'interrupteurs ici. Oh, le train! C'est le chouchou! Le chouchou! Mais, genre, je fais la perceuse, et il suffit que je me mette dessus et ça fonctionne. Pourquoi pas? C'est où le train? Gare de train Pterydactyland. Oui, 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 ça, on va y faire tout de suite. Faut juste que je trouve où c'est, mais ça, on va y faire tout de suite. Ouais, 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 oui. Parce que là, normalement, on a un dinosaure qui va venir ici, je pense. Là, il y a encore un Jinjo. Putain, mais en tout cas, il y a vachement de Jinjo ici. Par hasard, je peux pas actionner cette plateforme parce que voilà, vous voyez, il y a une tête de dinosaure et justement, c'est la transformation qu'il nous faudra. Par contre, c'est juste où le bidule chouette, la gare. Et où la gare? Attendez, on va pas faire de bêtises. J'ai dit, on va pas faire de bêtises. Et qu'est-ce que je fais? Aïe, 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 aïe. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est où la gare? Là, on peut les libérer, mais si on libère, je parie qu'on va libérer le gros méchant. Ça, c'est machin. Il y a des petits trous. Je pense que ça. Peut-être qu'il y aura des sortes de petites larves, enfin des ennemis qui devront apparaître de là. Je fais des hypothèses, hein. Pour l'instant, on découvre. En général, je suis tout excité quand. Ouh, il y a une technique, il y a une technique, il y a une technique. Je suis tout excité quand on découvre plein de nouveaux trucs. Là, 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 il y a plein de choses. Oh oui, il y a plein de choses. En plus, une nouvelle technique. Je veux, je veux, je veux, je dis oui, je dis oui, je dis oui. Tiens, dis-moi que ça va être un truc à me servir. Oui, allez, dis-moi. 390, on a largement assez de notes. Alors, botte pied léger. Les rebelles sont hors de portée. Voici comment un assaut y monter. Choisis ton endroit avec le plus grand soin. Il n'est qu'un saut pour oiseaux et ours malins. Yes! Donc on a enfin les bottes qui vont nous pouvoir, qui vont nous permettre de débloquer la dernière pièce de puzzle de.
Jasmine Miroitante, si je me trompe pas du nom. Oh, ça c'est cool. Ah, et là-bas, j'ai pas vu, il y a la plateforme. On va l'activer pour... Ça va faire un petit point de sauvegarde. Bon, j'aimerais juste trouver la gare, si possible, si c'est pas trop demandé. Ah, l'interrupteur pour la gare, il était pas du tout à côté. Alors ça, c'est logique. Y a pas un truc? Non. Ah, j'ai l'impression qu'on peut juste monter, mais ça me servait à rien du tout. Donc go. Salut. Ou pas passer. Personne entré dans caverne Oogal Boogal, eux méchants. Pourquoi ça? Nous, Oonga Boonga, voulons régner tout Territact et Landogol, vouloir partager rien du tout, je crois. Enfin, on n'a pas eu le temps de finir de lire. Et si je tombe, je suis très mal. Il y a plein de trucs. Quoi là-bas? Je sais, j'ai loupé des notes de musique, mais c'est trop grand ici. Oh, un globo! Je veux le globo. Ah, un globo, ça c'est bon signe. Donc ça, ça doit vouloir dire que Woomba doit pas être loin, et si elle est pas loin, elle doit sûrement être là-dedans. Je prends juste les notes de musique. Oh, il y a un Jinjo. Oh, paf to the nest. Non, vous êtes sérieux là? Passe, paf to the nest. Chemin vers le nord, enfin vers le haut. J'ai pas compris. Nest, je connais pas dans mon vocabulaire English. Sorry, excuse me. Alors, encore un truc, Oonga Boonga. Oh, boing. Ah, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Les chaussures, c'est pour paf to nest. Je crois. Attendez. On reprend. Je vais juste revenir. Je sais pas pourquoi il m'a dégagé, en fait. Enfin, pas grave. Mais oui, je veux juste prendre les chaussures et je pars. T'inquiète pas. J'adore comment on rebondit. C'est tellement génial. Est-ce que je les garde? Dis-moi oui. Non, on les garde pas? Si. Si, on les garde. YOLO! Non! Aïe! Bon, pas grave. Mais pitié, dites-moi où est la gare! Je demande juste ça! Ouais, bon, la gare, elle sera pas là-dedans, vous me direz. Mais je suis curieux, j'ai envie de voir. Oh! Intérieur de la montagne. Ok, il y a aussi plein de choses à faire ici. Un niveau qui promet autant que les autres d'être riche. Riche en action, riche en émotion, riche en pièces de puzzle, et ça, j'adore! Je veux les pièces de puzzle. Après tout, je revendrai les pièces de puzzle en or, j'en suis sûr, je me ferai des couilles en or, comme qui dirait. Pardonnez-moi l'expression un petit peu vulgaire, mais vous m'aurez compris. Bon, bah y a rien d'autre, j'ai l'impression. Mais j'arrive pas à trouver cette gare. Et ça, ça m'embête. Je veux juste trouver la gare, s'il vous plaît. Please. Où est la gare? Bon, on va prendre... ces bottes-là. Je sais que ça le problème. Allez, on saute, on passe. Oh, on est trop fort, on est invulnérable. Merci, lâche-moi les bottes. Lâche les bottes. Thank you very much. Nouvelle plateforme de téléportation. Ah, et on peut passer... Pas envie de... Pour l'instant, on va pas aller voir le pouvoir de Mambo. Ce que j'ai envie de voir, c'est... Attendez, ouais, de toute manière, on y reviendra ici. J'ai juste... Là-bas, il y a un truc, on peut y faire quelque chose, et j'ai envie de voir. Peut-être que c'est là-bas, la gare. Ah! Et sors ta tête, bim! Ah, maintenant, c'est qui respecte qui? Ah, il faut moins les fiers, hein? Oh, il y a un rocher. Ah, mais peut-être que c'est pour le globo. Ça me paraîtrait pas impossible, vu qu'il est à côté de Mambo. C'est ça? Non? Ah non, une page de Chito. Bon, ça me va aussi, hein, je dis pas non. Par contre, y a pas moyen que je rejoigne le bord sans mourir. Et... Voilà, c'est bon. Non mais, sérieusement. Oh, je me suis pas fait toucher. J'ai eu de la chance. Bon, bah, en tout cas, je vois qu'on en est déjà à 45 minutes de vidéo, donc ça commence à faire un petit peu beaucoup, surtout pour un épisode. Mais bon, on n'aura pas spécialement avancé, donc je me serais permis peut-être de faire un épisode un petit peu plus long pour voir d'autres choses, de nouvelles choses, un petit peu essayer de découvrir. Ça fait du bien de temps à autre. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que j'aimerais bien voir où est la gare. J'arrive pas à savoir où. Ça m'embête. Ah, là-bas, il y a... Attendez, je vais encore faire un dernier truc, et après, sûrement, je vous laisserai... Ah, mais elle est là, la tante de Woomba. Je vais faire encore un truc, et après, on se laissera. Mais d'abord, là-bas, ça m'intéresse, et ça m'intrigue. Allez, on peut le faire, les amis. Oh, de l'ange. Oui.
mais c'est un saut, c'est un saut unique. Oh, sérieux? Oh. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. En tout cas, j'espère vraiment que cet épisode vous aura fait plaisir. On aura vraiment vu de manière très brève plein de choses. En tout cas, des très belles choses, et ça, je suis vraiment content. La prochaine fois, je pense qu'on aura encore beaucoup de choses à voir, ça c'est sûr et certain. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me donner des astuces, vos commentaires, à laisser un petit j'aime pour m'encourager. Ça fait vraiment plaisir de savoir que vous me suivez dans cette série. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Banjo Toy, les amis. Donc sur ce, ciao à toutes et à tous!